Salut à tous et à toutes, c'est Zeretti. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo sur Outlast épisode 7. On s'est arrêté ici, vous vous rappelez bien qu'on avait fait tomber la pauvre clé et il faut qu'on retrouve la clé, c'est-à-dire, je pense que c'était en bas. Wow, c'est quoi le bruit là? Je pense que c'est en bas. On saute. Oh, les bruits. Attendez les amis, je baisse un peu le son parce que là, il y a plus fort. Voilà. Ça nique les yeux. Ah, je pense que c'est dans la laverie, je pense aussi. Je pense que c'est dans la laverie. Je suis tout seul maintenant, hein. Mon ami est plus chez moi. La vraie c'est pas ici, la vraie si c'est là. Ah bah là, ouais, nickel. On trouve la clé, on monte en haut. On court. Bonjour. Nickel. On se barre d'ici, j'en ai marre. Ça fait peur. Personne ne vient de derrière moi. Oh putain. Faut suivre les traces de sang. Non, on va pas suivre les traces de sang, juste un peu. Oh putain. J'ai eu pile. Oh putain. T'as l'autre qui se traîne, qui traîne. Putain, comme par hasard, je suis pas sauté. Mais pourquoi mon perso il saute pas? Ça m'énerve ça. J'adore les persos qui n'arrivent pas à sauter. Voilà. À sauter, c'est bon, nickel. Maintenant, on va aller au même endroit que d'avant. Voilà. Faut on saute là-bas. Ok, sauf s'il faut faire double A, non. Regardez. Je saute, mon perso il saute pas. Ouais, c'est quand même ici. Regardez là ils sont comme ça par magie. Faut peut-être être bien au fond, peut-être aussi, faut être bien au fond, parce que des fois faut être tout à au fond et sauter mieux. Des fois même pas. Regardez. Je vais me dépêcher parce que j'ai pas envie de la vidéo à dire trop longtemps. Il dit mon bébé, je crois, il a dit. Les amis, je suis désolé, mais on va se dépêcher. Regardez les amis, c'est peut-être aussi parce que je suis une manette. Oh lui, coupe-toi comme ça le gars, t'es tranquille toi. J'ai merdé un tout petit peu au début parce que ça avait... Je sais pas pourquoi, c'est le perso. Pourquoi, j'arrive pas à sauter. Bah, j'ai pas essayé d'aller parce que...
Là, peut-être. Regardez! Je fais double A, ça marche pas. Il dit d'en plus appuyer double A. Je suis où, toi? Je vais me dépêcher, hein, les amis. Non, j'arrive pas à sauter. C'est pas à cause de ça, j'arrive plus à jouer, quoi. J'ai perdu 2-3 minutes pour un saut. Je vais me dépêcher, ça fait je sais pas combien de fois que je recommence. Je suis désolé pour ça parce que je pense que c'est cause des manettes. Voilà. Oh, on est où là maintenant? Wow, je suis où? Rider. Je bug pas beaucoup, mais un peu quoi, parce que mon PC faut qu'il soit en habitude encore. On a vu le Wall Rider. Je sais pas, ça se dit comme ça. C'est si vous voulez, c'est un projet qu'ils ont mis en bien. C'est un si vous voulez, c'est un fantôme quoi. Oh, attends, on est tombé ici. Okay. Entendu quoi là? En chose de notre pied, c'est jamais bon de faire comme ça. Fallait où? Ça va. Oh putain! Je vais aller à gauche. Ça c'est sympa, bon. Une pile? Je sais pas. Ah non, c'est celui. What? Je connais l'écriture du le père Martin a tué un homme ici. Est-ce que le mensonge dont il parle ce serait les dossiers qui ont disparu de toutes ces boîtes? Les faits, les archives, on dirait que des documents d'une agence officielle ils ont l'air d'avoir moins de 30. Attendez, c'est mon casque est moins activé quoi. Les agences officielles ils ont l'air d'avoir au moins 30 ans, probablement plus. Je commence à réfléchir à ces histoires de Mufcultra, de CIA, de contrôle mental, le bourdonnement permanent. Ok. Ok. Y'a quelque chose ou pas? Pas une pile, tu consommes, non? On va retourner en arrière, c'est vraiment on a vu les traces de sang dans le mur. À droite là. On va ouvrir. Wow, y'a quoi dedans? Y'a qui dedans? On va ouvrir parce qu'on est obligé d'ailleurs. Les hommes poilus, les hommes tout nus là, tu vas me tuer. Putain, vache. Désolé pour d'avant, hein, pour sauter, j'ai pris peut-être 2-3 minutes, ça ne dérange pas. Ça va aller vite maintenant, j'espère que je sauterai mieux. Ah, ce homme avec sa bite là. Les deux frères. On change les piles et on y va. On y va, go. J'aime pas cette musique. Il
On va aller ici. Ah bah comme par hasard. Pensais que c'était une chambre. Ouf, mon PC prend du temps à capter l'image ici. Désolé si ça bug. Ah, putain, je tourne quelques images par seconde, ça m'énerve. Ah, vous voyez pas, mais moi je vois. Ah, là c'est bon, là ça c'est bon, il a repris, c'est bon, nickel. Non, il y a eu du mal là, putain vache. Allez, go. Oh là là! Non, non! Monte! Mais pas la caméra, prends la caméra! Putain, on va retourner en bas, putain, pour chercher. Oh, c'est qui celui-là là? Ok, on a vu un gars, mais il est plus là. Oh, vous pouvez imaginer ce qu'il utilise. Ah, sans blague, vous croyez quoi? Vous croyez que non? Sans blague. Là, je sais pas où aller. Même avant, je savais pas où aller. Ah, des piles. Des piles. Comme par hasard, les deux gros sont plus là. C'est bizarre. On prend quand même la pile avec. Mais ça sert à rien. Peut-être mettre dans le cul, je sais pas. Ah. C'était pas ça avant. Pas ça avant. Oh, je sais pas. Ah, tant pis, c'est des toilettes. Ah, il y a une brèche. Oh putain, encore tombé en bas. Putain. Oh, t'es où la porte? Quoi ça, putain? Le wall reader. Vas-y, vas-y. Putain de sa mère! Ah, tu fais enculer, espèce de... d'handicapé. J'insulte pas les handicapés, j'insulte les fous qui dans ces dans cet hôpital. Oh, notre caméra. Notre caméra. Ouais. Oh putain de ça. On remonte, go. Allez hop, on passe par là, on va à gauche, on va à droite, putain vache. C'était là. Go. Ah putain vache. Oh notre caméra elle est niquée quoi. Putain vache. Oui, la vache. Putain, notre caméra est cassée, putain. C'est vrai, putain, c'est notre caméra, on peut rien faire. Une question. Là, pourquoi le gars est fou? Ah, moi je pense peut-être aussi, hein. Pourquoi il est fou avec une caméra? Dans un truc, dans une asile. Peut-être que le gars il pensait que il fallait filmer sûrement, je sais pas. On peut monter par là? Ah oui, ok. Putain, là c'est la suite. Le père Martin au service administratif. Ah, on se retrouve. Honnêtement, on a fait tout le tour, ça veut dire, non? On met une batterie.
Wow. Bonjour. Tu me fais du mal ou pas toi? T'es gentil? T'es gentil? Ah ouais, bah t'as un œil. Voir qu'il y a un gars à gauche là? Non. J'ai flippé, je commence déjà à flipper. Ah, ça bug. Ça bug. Il veut aussi dire, mais non, j'ai dit dans l'ancienne vidéo, j'ai presque fini mon outro. Je l'ai fini. À la fin de cette vidéo, elle sera. Voilà. Je dis d'avance. Oh putain, le gros lard. Chien de queue là. Oh, qui a claqué la porte? C'est bizarre. Oh, mais c'est bizarre. On va attendre ici. On attend un peu. Ouais, désolé, probablement, j'ai duré peut-être deux, même pas une minute. Je pense que c'était une minute ou deux, même pas une minute trente, je crois. Ça va, au moins, j'ai pas pris cinq minutes. Si j'avais pris 5 minutes, j'avais fait déjà un. Comment ça s'appelle? Une ellipse, hein, déjà, c'est sûr et certain. Il est moche, le gros cochon. Le cochon nous. Bonjour. Vous avez vu son bide là? Ta gueule était muté de partout. What? Je l'entends, je sais pas, il est où. Sais même pas où aller. Putain, vache. Putain. What, comme ça, il me prend comme ça, lui. Le gars, il m'attrape de tout loin, là. Là, il a force. Sans toi, putain vache. Le gars il prend de tout loin, il me prend comme ça, attends. Oh putain, en plus c'était ici, hein, c'était avant. Oh, ça pue là. Ah, bah, hey, un monsieur là-bas. Oh, ça nique les yeux. Bonjour, monsieur. Oh putain, faut un coup de pouce. Et Nak qui va venir dans la gueule. C'est sûr, certain. Oh. Vous vous rappelez, tout au début qu'on avait fait, que j'avais flippé, qu'on avait un pendu? Ah bah c'était ici. Ça pue la merde ici, je sais pas pourquoi. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Nanana. Porte là est cassée. Peut-être pas monter, non, je sais pas. La porte là, c'est bon, la porte. Ah, c'est là. Normalement, je sais pas, c'est ouvert. Ah, bah, c'est là. Coming!
trouve pas que j'aime bien. Oh putain. Ah c'est ici en plus. Oh merde, je pensais même pas que c'était ici. Ah, et c'est fermé, je vais monter à l'échelle. Je sais pas. On va voir tout de suite. Oh, j'espère que au moins je parle hein. Je parle pas dans le vent hein. J'espère pas. Hein. Parce que ça m'a déjà arrivé une fois que la vidéo, il faut que je recommence parce que mon casque était coupé. Normalement, non, normalement c'est nickel. Notre pauvre caméra qui a niqué quoi. Oh, on entend du piano. Ok, normal. C'est qui celui-là? Ah, l'autre qui était enfermé, qui faisait. Je sais pas, c'est qui encore celui-là? Il était enfermé, je crois qu'il était enfermé, qui nous a fait, ça a fait peur, je crois, c'était lui. Oh, on est où, là? On est où? Oh! Je vous laisse lire. Du plomb à l'état pur dans les tumeurs, putain. On va lire après. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wall Rider was a gateway. A gateway to what? OK. Ce mec a la voix du frère américain du docteur Falamour. Faut l'amour. C'est enregistrement audio date de 25 ans. C'est l'entretien avec Dr. Werdick. Les Alamos, ça veut dire l'État fédéral. Werdick, ouais, parle d'hémorragie spontanée, du tumeur, de réaction physique, psychosomatique, chez des gens suffisants, déséquilibrés, des funambulismes entre la science et le mystère nazi, mystique nazi. Mysticisme nazi, seul un sujet ayant assisté à un degré d'horreur suffisant pour revenir à activer le moteur morphogénique. Le moteur, le film qu'il projetant, il montre dans la tête comme une de ses chansons dont on parle plus de se défaire. Je ferme les yeux et je vois des tests de Rock Charchmi qui ressemble à des essences d'insectes et à des plaies infectées. Le patient parle d'utiliser le moteur pour faire apparaître le Rider. C'est le bourdonnement que j'entends dans mes os. Oh! Et bien, ça fait de plus en plus glauque. La putain, cette salle est motivée, hein. Ils ont trop bu ou je sais pas. Parce que là, on dirait qu'ils ont trop bu. Y'a pas une pile là parce qu'il y a, il faut mettre une pile. Non. Oh c'est noir ici. What? Trop verdict.
Oh là, Nick, je vois pas. Pour t'ouvrir là, attendez. Ah, un dossier. On va le lire aussi. Pensez à te laver les mains. Le 19 septembre 2013 à 4h19. Ouais, a écrit facilité nécrosante. C'est vrai, putain, je démissionne. Ok. Non, ah, c'est fermé, ok. C'est fermé, il faut qu'on monte. Faut qu'on monte, Ouais, je suis toujours le sang, comme on dit. On va ouvrir la porte. Ok. Maintenant mon casque il a bougé. Ok. Normal. La porte était fermée. Heureusement que j'ai pas laissé ouvert parce que ça sert à rien. Là on est au-dessus là. On trouve la clé est là-dedans là. Ok. L'instant on tourne. C'est quand même chaud de tenir là-dessus, hein. Putain, tu tombes en bas, t'es fini quoi. Moi je pourrais pas. Dis pas ça, putain. Putain, il est cassé tout. J'adore parce que c'est plus facile à sauter avec une manette. Avec un clavier, parce que je sais pas pourquoi. Comment ils ont fait exprès, parce que là si vous voulez, je peux pas dit peut-être vous suivez pas jusqu'au début. Jouer avec une manette. Voilà. Peut-être peut-être causer ça. Ah c'est chaud. Elle est où la clé? Putain, vache, j'ai cru avec quelque chose. Là, faut qu'on retourne en arrière. Ok, mais non, la porte est ouverte. Mais foutez de ma gueule. Putain, il me fout de ma gueule, quoi. Qu'est-ce qui est fermé? Tap. Ok. La caméra est moitié foutue, en plus ça nique les yeux. L'homme à poil là, il a. Putain vache. What? On est où là? Ah, on arrivait. Tu fais rien toi hein? What? Pourquoi il est derrière? Parce que ok, je sais pas. On va voir la caméra parce que elle me sert à rien pour l'instant. Et puis il utilise des piles dans le vent, j'ai pas envie. Les amis, ça se gardait, maintenant c'est qu'on va faire. Je vais vous laisser sur cette petite gars qui vient de partir. Voilà. Moi je vous l'ai dit à la prochaine. Ah justement c'est pour après là, si au fond on prend une clé, je sais pas. Pour descendre. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Zireti. Commentez, likez et partagez mes vidéos si ça me fait plaisir pour vous et pour moi pour continuer à me regarder pour faire des meilleures vidéos. Voilà, peut-être vous avez compris ou pas. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Zireti. Allez, tchuss les gens.